Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur YouTube. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai parlé de cet homme qui est à l'écran, un acteur de cinéma qui est tombé malade, en fait, qui est tombé malade et qui a besoin de se faire soigner, il demande de l'aide. Il s'est rendu récemment dans l'église de ce pasteur que vous voyez ici, qui s'appelle Jérémy. Et cet homme lui a donné 8 millions de naira, comme ce que vous voyez sur l'écran. Attendez, je vais zoomer pour vous. Vous voyez ça, non? 8 millions de naira. C'est ce que ce pasteur-là lui a donné. Et on a vu comment cet homme-là était en train d'écouler les larmes. Il était juste choqué par ça. Et alors que nous étions tranquillement chez nous, voici que nous découvrons un homme. Un homme qui vient sur les réseaux sociaux pour dire que pourquoi ce pasteur a-t-il donné de l'argent à cet homme au lieu de prier pour lui afin qu'il soit guéri. Et il dit, mais toi tu dis que tu es un prophète et que tu fais des miracles. Pourquoi n'as-tu pas fait des miracles pour guérir ce monsieur? Et si ce n'est pas le cas, cela prouve que tu es un faux prophète. Et que tes miracles sont fake. Et que tes miracles sont fabriqués. Et que tu utilises des gens pour venir faire semblant d'être paralytique ou d'avoir mal ici ou d'avoir mal là. Mais en réalité, quand tu tombes face à des vrais cas, comme le cas de ce homme qui est ici, au lieu de prier pour lui, pour sa guérison, tout ce que tu peux faire, c'est de lui donner des sous. Et tout de suite. Ce pasteur que vous voyez ici, il est venu aussi se reposer pour répondre. Et c'est ce que je vous fais écouter ici. Et vous me direz après, qu'est-ce que vous en pensez réellement? Ok? D'accord. Écoutons la réaction de ce pasteur. Il parle en anglais. Je vais essayer de faire la traduction pour vous en français. Ok? C'est parti. Il dit Mathias, Mathias, je ne te connais pas. Je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas d'où tu es. This man, after giving this money, this huge amount of money, he writes the actor. The man came out and began to criticize Jeremiah. Il dit après que j'ai donné de l'argent à cet acteur qui est là, le monsieur qui dit Jeremiah. Non, du nom de. Bon, il a dit son nom, j'ai oublié. Vous pouvez venir revenir dessus, mais il dit que ce monsieur qui le critique là, il sort pour venir dire que lui, c'est un fou. He said Jeremiah's miracles are fake. Et il dit que mes miracles sont fabriqués. He said Jeremiah is not faking people. Et il est en train de vraiment faire des choses fake. He said Jeremiah is deceiving people. Et il est en train de tromper les gens. And when I look at it and I begin to say, hey, wait, the Lord told me that I have given you anointed, these demons will come. When I look at it, Matthias, hey, Matthias, poor man, why you want to poor forever? Il dit que ce monsieur, voilà, ce monsieur qui le critique, là, s'appelle Mathias, vous voyez. Et il dit que, oh, quand lui regarde ce jeune homme, il dit que, oh, voici, le Saint-Esprit lui a dit qu'il y a quelqu'un qui va sortir là-bas pour venir te critiquer comme ceci, comme cela. Cette personne-là, c'est un démon qui est là. Toi, Mathias, là, tu vas être pauvre pour toujours. Matthias, he want to poor forever. Il dit, Mathias, tu vas être pauvre pour toujours. Là, il répond à cet homme qui le critique. Forever, Matthias. Pauvre pour toujours. From Enugu. Il a de fear. Il a de fear. Matthias, wherever you are, come out and challenge me. Et il dit, Mathias, toi, peu importe là où tu te trouves, sors et viens me défier. And challenge me. Sors et viens me défier. Come out and challenge. Let me see you. Whether you're in Nigeria, let us see. Peu importe là où tu es, au Nigeria, fais-moi savoir cela. We shall see. Tu vas Police. voir, tu vas voir, la police est partout. Police, court there. You will bring your defense. Tu vas vraiment, tu devras te préparer. You will bring your defense. Come with your defense. Police. Et vous venez te préparer à te défendre. Police everywhere. CID everywhere. La police est partie partout.
Don't forget that Nigerian police are not dead. N'oublie pas que la police du Nigeria n'est pas morte. I'm telling you, whether you are in this, Interpol is everywhere. We are going to not look for you. Vous voyez la réaction de ce pasteur. C'est assez étrange, mais écoutez d'abord. Send police to look for you, so that you come and defend. Ils ont envoyé la police te chercher. You person that you are insulting, whether I'm your mate, you insult. Because you, I am a man of peace. Il dit que parce que je suis un homme de paix, donc tu veux venir m'insulter. I am a man of war. If you don't, hey, if you want to insult me, come outside and insult me. Don't hide. Il dit si tu veux m'insulter, il faut sortir et viens m'insulter. Ne te cache pas. If you are a man. Si tu es un homme, si tu es un homme. Come outside. Sors. Ah, moi quand je écoute ça déjà, je me dis mais c'est quand même étrange. Un autre gars t'accuse d'être un faux prophète et de faire des miracles fakes. Maintenant, pour lui répondre, tu fais comme si c'est un spectacle. Ça, c'est ce que je ne comprends pas. Mais allons depuis l'autre point, ça va plus d'abord. So, whatever thing I am doing here, let you come and see miracles that God has done. Oh, yes, fresh and raw. No, why? Practical. Practical. Is it what? Et il veut nous montrer quel miracle eux ont pu faire, démonstration de miracles. He said, Jeremiah, every week, the thing they pepper him. How many poor people in Nigeria? Only Matthias are poor in Nigeria. Bon, là, nous allons maintenant écouter le jeune homme qui l'a critiqué. Bien, comme vous le voyez le camp, voici en réalité le jeune homme qui a critiqué ce prophète, bon en fait ce pasteur, vous voyez, et il va nous dire ce qu'il en pense. Écoutons. Yo, this message is for one of the greatest fake pastor in Nigeria called Jeremiah Omotofufoye. Il dit que ce message est pour l'un des plus grand faux pasteur au Nigeria. Le foin. Vous entendez ça? Wow. Is one of the greatest fake pastor with a strong heart in the whole West Africa. Il dit c'est l'un des plus grands faux pasteurs au Nigeria avec un grand cœur. In the whole Black Africa. Et de toute l'Afrique noire. So this message is for him. Et ce message est pour lui. And I want to use this opportunity to tell him, to warn him, to stop killing the poor who are believing that the criminal activities he is performing in the name of miracle every day that he claims to gather people in the name of adoration or prayer ground in their mercy land, that he should stop to use those people who are not sick, those people who got an accident, who can gradually walk, but when they will brought the person with a wheelchair, they will claim to the public that the person has not been walking. Now, bon, il a dit d'enchaîner. En gros, il a dit que je dis au pasteur, il n'a qu'à arrêter d'utiliser les gens qui ne sont pas malades pour nous faire croire que les gens sont malades et qu'il a dit de les guérir. And when the person start to step small now, that means Jeremiah will be claiming that his Jesus and power has made the person to walk. So those who has real sickness are watching and they are coming to the mercy land believing that one day their breast cancer will disappear. Believing that one day the cancer sickness they are battling with will disappear. Believing that one day the kidney failure that they have will disappear. Believing that one day the hole in the heart that their children has will disappear. Believing that one day the hepatitis C that they have killing them now that they will disappear. And all these people that had all this real sickness I mentioned, they are dying in daily basis. Why trusting the God of Nigeria criminal pastors? Wow, il a dit que les soi-disant personnes qu'il a guéries en réalité ne sont pas guéries, les gens sont venus mourir en silence quoi. In daily basis. Why am I saying this? Just look at Jeremiah Ofufoye is one of the most fake pastors in Nigeria who are performing miracles every week. Et il dit clairement, il dit que ce pasteur Jérémie est l'un des plus grands et faux pasteurs
au Nigeria, qui est tout en train de faire des miracles chaque semaine. In weekly basis, any of his program, there must be thousands of healing. Et dans tout en ce programme, il y a mille guérisons. Healing. A lot of disabled ones will walk. A lot of crippled persons will walk. I remember one of the programs he did that he used rope to tie people's eyes and claimed that those people he tied their eyes with rope, that they are all blind. And when he was losing the rope, when he lose your own, then the person will start shouting, I can see, I can see, I have not. Il a été parlé d'un faux miracle de guérison d'une personne qui ne voyait pas. I've been seeing since I was born, you know, but today I can see. Genre il a mis quelque chose pour fermer ses yeux et on dit que le gars ne voit pas. Et tout à coup, la chose qu'il a pour fermer ses yeux est tombée. Et quand c'est tombé, la personne dit, oh, je commence à voir, oui, je commence à voir. So those things are fraud. Now when it comes to the celebrities in Nigeria, Jeremiah, your fault for you, your Jesus and healing will run away. Now it will now turn to cash presentation just to promote your evil criminal activities. You are displaying before Nigerians because we don't have good government. Because if it's it that we have good government like the Canada, United States, Europeans, whereby when someone is sick, you will just call the ambulance, they will come and pick you in your house and give you free medical attention. Nobody will be listening to Nigerian pastors. If it's it that we have companies, where this phone you are watching me from, where this clothes you are putting on, that I myself is putting on as well, where it can be produced in our communities. If it's it that we have such industry, where the television we have in our house, everything made for man to use on this planet Earth, including the car we all drive. If we have where those spare parts, all those things will be produced in our villages, it is going to eradicate poverty in our land and give millions of people job opportunities. And nobody will ever have time to listen to all these criminals in Nigeria. Now, Jeremiah, I'll fool for you. All Nigerian celebrities who fell are sick, you have been giving them cash. Il dit, toi, Jérémy, tu ne veux pas aller aider ta communauté. Hein? Tu es là tout en train de faire les choses bizarres comme ça. Et puis, toutes les personnes du Nollywood, c'est-à-dire les personnes du cinéma au Nigeria qui viennent te voir, tout en train tu leur donnes de l'argent. Au lieu de prier pour la guérir, tu leur donnes de l'argent. You have never tried to cure anyone. Tu n'as jamais essayé de guérir quelqu'un. Oh, you are curing poor people every day. Alors que tu guéris les gens chaque jour. You are curing the poor people, those we don't know their name. You are curing them. Alors que tu guéris les pauvres personnes chaque jour. You are healing them in daily basis, as you can see it here. You are curing them. But all the Nigerian celebrities, even Brother Ato, that have died, you gave, I think, 6 million naira, whatever, with a car. The guy later died. Alors que tu ne pries pas pour guérir, tu n'as jamais guéri en fait un acteur du Nigeria qui vient te voir, même si c'était son mort. The only way you can be cured is through doctors and nurses, whether you like it or not. If you have anybody that has kidney failure, liver failure, cancer of the blood, the cancer that has become malignant, or breast cancer, those foolish women now that has a breast lump, you don't want to go and remove it. You are praying for healing so that breast lump will just disappear. Now, when it enters cancer and you need to cut one of your breasts, believe me, if you see that the cancer has become malignant, it's going to lead you to your 6 feet. Nobody cures it. Now, Jeremiah, I'll vote for you. When it comes to the celebrities, you give them cash. But when it comes to those poor people that your script writers are bringing for you, now you will not cure them. Il dit au pasteur, comment se fait-il que toi, quand les pauvres personnes viennent te voir, tu pries pour eux et ils sont guéris. Mais quand les célébrités qui sont malades viennent te voir, au lieu de prier pour eux, tu leur donnes de l'argent en cash. Crime against humanity is very bad. Nigeria churches has mislead my people. Nigeria churches has commit atrocities, killing people. Il dit que l'église du Nigeria commet des atrocités. C'est l'église qui est en train de tuer les gens. People that are believing in all these reverend fathers, pastors, in the name of healing, dying in daily basis in our land, even in my office, there are millions. Et il dit qu'il y a des millions de personnes qui sont de telles choses, qui sont de telles églises, qui croient de telles choses,
qui sont en train de mourir. When I raised an alarm during the time of TB Joshua, I made a video. Il dit même au temps de TB Joshua, il a fait une vidéo. Even before, when he was still alive. Même quand il était en vie. Even when he died, when I made a video and I keep on shouting. Et même quand il est mort, qui continue à faire des vidéos pour parler. Provide any crippled person, any blind person in your village, or anywhere your village, mumu man that want to comment rubbish. Don't you have village where you came from? Provide any crippled person from that your village that Nigerian pastors, reverend fathers, or native doctor has prayed for, the person became healed. I am going to give you 1 million naira with one plot of land. I am talking out of experience. My foundation have cured more than 5,000 sick people and they are alive today. Practically with the normal solution made to treat everybody on this planet Earth, whether you are Muslim. Il dit que lui, sa fondation a guéri plusieurs personnes et il a la preuve. Et si ce passé-là réellement dit qu'il guérit les gens, que cela se passe vis-à-vis quoi, que la preuve, on voit tout avec la preuve. Et lui, il n'est pas à lui donner 1 million de naira. Whether you are a native doctor, whether you are a Christian, whether you are a pagan, sickness don't respect religion. What sickness respects is what? Medication. Being you a native doctor, believe me, if your BP rises up today and you don't visit the medical doctor, you will die today and will be forgotten. Et il dit que si vous croyez à de telles choses et que vous n'allez pas voir les docteurs, vous allez mourir. Nigeria should open your eyes. Nigeria, vous devez ouvrir vos yeux. No Jesus cure sickness. Il n'y a pas de Jésus qui guérit la maladie. All I'm fighting for is that you will have the same good life that people who brought the Jesus for you is having in Europe, where the story came from. No European person depend on any spirit to cure them. They depend on the hospital. They will tell you, Jesus, God created the medical doctor, that God can cure. No God is in anywhere to cure you. The same way when you want to have sex, you will look for a woman to have sex with. Il dit que si vous avez besoin de guérison, allez voir le docteur. Dieu a créé le docteur pour ça. The same way you refuse to go and look for God to have. La même manière, vous avez besoin d'avoir le sexe et que vous faut une femme, vous allez la chercher. C'est pour ça que vous devez aller chercher le docteur. Sex with you. Onukuna no num that don't want to listen until it comes to you. By then, my phone will be ringing like president of a country. I will turn to Brother Matthias, but now I am an evil man because I want to remove that cobwebs that they have used to close your eyes because your scores are empty. Et il demande aux gens du Nigeria de vraiment ouvrir les yeux. De vraiment ouvrir les yeux. Wow, c'est chaud, hein? God created medical doctor. God will cure you. Are you kidding me? Il dit, ils sont en train de dire, oh, Dieu va te guérir, oh, Dieu va te guérir. Est-ce que vous moquez de moi? But God created sex. Why can't you go and have sex with God? Il dit, Dieu a créé le sexe. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas aller avoir le sexe avec Dieu? Pourquoi vous ne pouvez pas aller avoir le sexe avec Dieu? J'ai l'habitude de me dire que quand vous êtes malade, vous devez aller voir le docteur et non quoi. C'est Jésus dont ils disent à l'église que je suis Jésus l'a guéri. God created lecturers. Why do you go to universities in order to learn? God created teachers. Why do you attend secondary school or primary school in order to learn ABCD? Why can't you pray to God so that you will just become of a graduate without attending to school? Il dit, ah, pourquoi vous ne priez pas pour que Dieu vous rende diplômé tout de suite et vous allez à l'école d'abord et suivre le cours. God is any God you believe in is not owing anybody anything on this planet Earth. The power to cure the sick has been given to the medical doctors. Il dit que la puissance de guérir les maladies a été remise entre les mains des docteurs. And there is a lot of sickness that is incurable. And once you have that type of sickness, your name is 6 feet. Forget about those things they are performing in the church. They will say, doctor say it is a lie, fraud. When it comes to you, you know it is lie. Et il dit, ne croyez pas à tous ces pasteurs qui disent qu'ils guérissent à l'église et tout ça. Et parce que tout ce qu'ils sont de faire, c'est du pur mensonge. Ils sont de mentir. So Jeremiah Omoto Afufuye, stop deceiving the poor. Et il dit à ces pasteurs, Jeremiah, arrête de tromper les pauvres. The money you are giving to the celebrities, give it also to the poor. That is what I'm preaching.
Il dit que l'argent que tu prends et que tu donnes aux célébrités, donne aussi aux pauvres, donne aussi aux pauvres. C'est de ça ici, c'est de parler, c'est mon combat. Bring those who are sick before the altar so that we contribute money for them. Take them to the hospital. That is. Et contribuer de l'argent pour les pauvres avec les, et pour les pauvres pour les amener à l'hôpital. This is the final way to cure them. Pourquoi peut se guérir? Stop selling olive oil made to cook rice in abroad to the sick ones in our land. Stop selling water to our people who are sick in the name of healing. Et il dit, arrête de vendre de l'eau aux gens qui sont malades pour le potentiel qu'ils vont être guéris. It is crime against humanity. Ça, c'est un crime contre l'humanité. It is crime against humanity. I am speaking to you, black man, that don't have electricity, waiting for end time. A black man that don't have electricity, that don't know the meaning of 1 hour steady light, is waiting for end time rapture. While people who brought the story to you are busy building underground from Anambra to Abuja. The people who brought the story to you are busy building underground road from Enugu to Lagos. The people who gave you the story are busy building underground road from Owerri to Ibadan. And a black man in Africa who don't know how the cloth is putting on is being manufactured by a Chinese is talking about end time and rapture. Look at Ebuiwe. Ebuiwe is down now. He had an accident. Ebuiwe is in India receiving medical treatment. Gozio Keke is that is on which here now. Is even the Chinese will call unbeliever that produce what Gozio Keke is using now to move around. Bon, il a donné des détails, des exemples, des gens et autres. Bon, mes frères et sœurs, voici une affaire. Cette affaire. Cet homme à l'école dit que ce pasteur est un faux pasteur. Au lieu de guérir les gens, surtout les célébrités, il leur donne de l'argent. Mais quand il s'agit des pauvres, il prie pour eux et on n'a pas qu'ils sont guéris. Selon lui, ce pasteur, c'est l'un des plus grands faux pasteurs de l'Afrique noire. Mes frères et sœurs, qu'en dites-vous? Qu'en pensez-vous? C'est chaud. Affaire chaud. C'est chaud. C'est moulé. C'est moulé de Dibé. Ah! Que va-t-il se passer par la suite? En tout cas, vous avez entendu l'intervention de Dieu. En tout cas, moi, quand je regarde ça, ce qui m'étonne, c'est la réaction de ce pasteur en question. Ce pasteur, il réagit comme si c'était du spectacle. C'est comme si son secret venait d'être découvert, quoi. Ouais, non. En tout cas, ce que je peux vous dire, mon frère et soeur, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui viennent de la part de Dieu, vraiment. Il y a des menteurs. Il y a même des menteurs. Il y a même des sorciers qui dénoncent d'autres sorciers. Faites attention. Je vous donne rendez-vous prochainement. C'est parti.